Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment créer un blog rentable en 2019. Je vais vous citer plusieurs points que vous allez devoir appliquer si vous souhaitez avoir un blog rentable. Le premier point à appliquer, c'est la thématique. Choisissez votre thématique. Le sujet va être important, certes, mais il faut absolument que vous puissiez vous passionner également pour ce que vous faites. Pourquoi vous passionner ? Parce que ça va vous aider à développer votre thématique, ça va vous aider à développer, à créer et à écrire vos articles. Mais il faut que vous restiez dans une thématique qui soit aussi rentable, une niche rentable. Donc, essayez de vous forger une réputation dans cette thématique. Choisissez-la aussi parce qu'elle vous plaît, mais choisissez-la aussi parce qu'il y a un marché. Donc, le choix de la thématique va être le point crucial du démarrage de votre blog. Donc, vraiment pensez à une thématique ou une niche qui va vous plaire, dans laquelle vous allez pouvoir exercer et dans laquelle vous allez pouvoir devenir expert, si vous voulez, dans ce domaine-là pour que les gens puissent vous suivre et surtout pour que vous puissiez vous-même rédiger correctement vos articles et prendre plaisir à rédiger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous devez produire du contenu de qualité. Le contenu, c'est ce qui va faire vraiment l'élément, le point névralgique de votre stratégie. Si vous n'avez pas un contenu de qualité, non seulement Google ne vous positionnera pas forcément bien sur son moteur de recherche, mais en plus, les gens qui viendront lire vos articles repartiront aussitôt. Créez un contenu de qualité, prenez le temps de rédiger, prenez tout le temps nécessaire qu'il faut pour rédiger un bel article bien optimisé. Et ensuite, vous allez donc pouvoir avoir du contenu que vous allez donc positionner sur votre blog. Le contenu va être vraiment un des piliers dans la stratégie, non seulement pour votre expérience utilisateur, mais également pour le référencement, ce qu'on appelle le SEO. Pensez au contenu, pensez au moteur de recherche et pensez à vos visiteurs. Le troisième point, ça va être la plateforme, le choix de votre plateforme. Alors, je vais vous parler de WordPress, parce que WordPress, c'est une plateforme de blog qui est mondialement connue. WordPress.org, WordPress.com, c'est un site différent qui vous propose un hébergement, un nom de domaine. Vous serez très bridé finalement. Vous avez une solution que vous payez tous les mois et ça va vous brider dans votre stratégie, dans les plugins que vous voulez mettre. Bref, vous ne serez pas libre. Je vous conseille WordPress.org. Vous allez télécharger le script et l'installer sur votre hébergeur. Sur certains hébergeurs, vous avez juste à cliquer et le script s'installe automatiquement sur votre site internet. Donc, WordPress.org va être le script, ce qu'on appelle le CMS, c'est le Content Management System, qui va vous servir à gérer et à gérer votre site avec un back-office, vos articles et toutes les pages qui vont avec. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est le plus important. Si vous voulez avoir un blog rentable, il va bien falloir vendre quelque chose. Et l'idée, c'est de créer une offre, créer un e-book, créer une offre, créer quelque chose que vous allez vendre. Si vous n'avez pas de quoi vendre, forcément, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser votre site internet. Donc, pensez à la création d'une offre. Ça peut être un e-book à 10 euros, un premier produit d'appel à 10 euros ou 20 euros. Faites des fiches techniques, par exemple, en PDF, si vous le voulez. Faites des vidéos, faites une petite zone membre. Bref, produisez un contenu que vous allez pouvoir monétiser et vendre en premier produit d'appel. Ensuite, vous ferez d'autres produits qui permettront de faire des upsells, donc vendre un peu plus cher d'autres produits, mais les gens vous connaîtront déjà. Mais déjà, pour démarrer, pour avoir un blog rentable, vous devez absolument créer une offre. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, vous devez lancer une campagne publicitaire. Alors bien sûr, là pour le coup, on en parle très peu souvent, mais si vous voulez lancer un blog qui soit immédiatement rentable, vous allez devoir commencer par une campagne avec une campagne de capture. Qu'est-ce qu'une campagne de capture ? C'est que vous allez devoir mettre un petit budget sur Facebook ou sur Google Ads, créer une page, ce qu'on appelle une landing page, avec dessus une offre, un petit bonus que vous allez proposer gratuitement en échange de l'email de votre prospect. C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Et le fait de faire ça, c'est que vous allez alimenter votre base d'emails. Ces emails-là, vous allez pouvoir ensuite les contacter, leur envoyer une newsletter pour ensuite les contacter et leur dire que vous avez créé un article et qu'ils aillent voir votre site internet. En faisant ça, vous allez attirer du trafic immédiatement sur votre site. Ça permet d'avoir un premier élément, une première liste qui fait que vous avez déjà des gens potentiels à contacter. Et dès lors que vous avez créé votre premier article, vous aurez vos premiers visiteurs. Enfin, l'autre point qui va être suivant celui que je viens de vous énumérer, c'est que vous allez devoir donc contacter vos inscrits. Faites des newsletters, notifiez-les toutes les semaines, envoyez une newsletter pour spécifier que vous avez fait un article. Et enfin, l'autre point dont je voulais vous parler, qui est complet de celui dont je viens de vous parler, c'est que vous allez notifier vos inscrits. C'est-à-dire envoyer des newsletters régulières toutes les semaines, envoyer des newsletters à vos inscrits pour leur signifier que vous avez, je ne sais pas moi, un nouveau produit en ligne, un nouvel article. Ça va les inciter à cliquer sur l'email et aller voir ce qui se passe sur votre blog. C'est comme ça que vous allez avoir du trafic aussi immédiatement sur votre site internet. Donc, notifiez bien vos inscrits au travers de newsletters que vous envoyez régulièrement. Et enfin, le dernier point qui va être le plus important également, disons que tous sont importants, mais le référencement. Faites du référencement, référencez votre site internet régulièrement, constamment faites-le. Faites un peu de référencement, allez chercher des liens, faites du guest blogging, allez trouver des annuaires. Bref, essayez de faire vraiment toute une formule complète pour faire parler de vous.
faites en sorte que des liens pointent vers votre site internet, c'est le référencement, c'est le principe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais vous faire une vidéo complète sur le sujet, mais globalement, pensez au référencement. Le référencement va vous apporter du trafic organique sur le long terme. Qu'est-ce que du trafic organique? C'est du trafic gratuit qui arrive depuis les moteurs de recherche, qui vous ont trouvé au travers de mots-clés tapés dans les moteurs de recherche. Donc pensez vraiment au référencement. Voilà pour cette vidéo sur le blog rentable. Comment avoir un blog rentable? Il suffit d'avoir une bonne thématique, thématique dans laquelle il y a un potentiel, thématique dans laquelle également vous vous plaisez à rédiger. Pensez à utiliser un contenu qui soit pertinent, un contenu que vous allez prendre le temps de rédiger. Choisissez un CMS, CMS c'est-à-dire un blog. Pour créer votre blog, c'est wordpress.org, donc le script que vous allez utiliser. Pensez également à créer une offre. Créer l'offre, c'est là, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir rentabiliser votre site et encaisser de l'argent, avoir un blog bien sûr rentable. Lancez une campagne de capture pour capturer les premiers prospects dans votre liste et ensuite vous allez pouvoir les notifier en envoyant des newsletters. Et enfin, pensez au référencement pour avoir du trafic organique. Sur le long terme, vous allez voir que c'est payant et vous allez avoir donc du trafic régulier qui va arriver sur votre site internet totalement gratuitement. Quand je dis que c'est payant, c'est que votre stratégie va être payante sur le long terme, vous allez obtenir du trafic constamment et gratuitement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en dessous, en rouge, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Recliquez dessus pour notifier la petite cloche et recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.